Donc, maintenant que l'enregistrement est débuté, le titre de l'atelier aujourd'hui, c'est les technologies mobiles, sources de distraction ou outils pédago numériques non exploités à son plein potentiel. Et là, on a deux conférenciers avec nous, mais je vais laisser notre stagiaire, Katharina, présenter le premier conférencier, Ryan W. Moon. Donc, Katharina, je te laisse la parole pour présenter. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, Ryan Moon, après ses études, il a fait d'abord carrière comme gestionnaire des projets en e-learning à Toronto et Montréal, où il se spécialise dans la conception des cours en ligne en équipe multidisciplinaire. Il rejoint les Cégeps à distance en 2006 à titre de conseiller pédagogique. Il a veillé à la gestion du développement de l'offre de cours anglophones, tout en remplissant de nombreux mandats de services, conseils en formation à distance dans le réseau de l'éducation québécois. Pendant 5 ans, Ryan était éditeur des articles portant sur la technopédagogie pour Prof Web, maintenant éducatif.ca. Ryan collabore avec les collectifs pratiques FAD qui regroupent 4 collègues francophones à travers le Canada depuis 4 années. Merci. Merci, Katharina, pour la présentation de Ryan. Moi, de mon côté, je présente Kim Burton, qui a d'abord enseigné à distance pendant 8 ans pour la direction de la formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières. Elle occupe depuis 11 ans le poste de conseillère pédagogique spécialisée en formation à distance et pédago numérique. Kim est aussi impliquée dans différents projets d'innovation pédagogique. En dehors de son poste au Cégep de Trois-Rivières, Mme Burton est membre de la communauté de pratique Reptique et collabore au collectif Pratique FAD depuis 7 ans. Mme Burton, Monsieur W. Moon, ben c'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci beaucoup tout le monde. Ryan, je vais te laisser partager la page. J'ai aussi été impliquée beaucoup dans le REFAD au niveau du conseil d'administration, donc c'est un honneur pour moi, un plaisir de retrouver certains visages aujourd'hui. Aujourd'hui, moi et Ryan, on va venir vous parler, en fait, c'est ça, c'est Pratique FAD, un projet, un sujet qu'on touche depuis quelques années. C'est une présentation qu'on a aussi faite au Sommet du numérique en éducation l'année dernière. Donc aujourd'hui, on va venir vous parler là, du M apprentissage au service de la pédagogie. Tu peux changer la page, Ryan. Pratique FAD, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas seulement moi et Ryan. En fait, c'est toute une équipe multidisciplinaire là, qui collabore ensemble depuis quand même 9 ans, qui tient, je dirais, ce projet-là à bout de bras à travers tout le reste de nos responsabilités. Pour nous, ça nous a beaucoup soutenus dans le développement professionnel. On parle 3 provinces différentes. On a au Québec le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep à distance et le Cégep de la Gaspésie et des Îles qui est impliqué avec nous. On a aussi au Nouveau-Brunswick le Collège communautaire, le CCNB, là, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui est avec nous. Dans ce projet-là. Et on a à Vancouver le Collège Éducacentre en Colombie-Britannique. Les premières années là, de notre collaboration ensemble ont été débutées en 2015. Puis on a touché là, dès le départ, surtout l'enseignement à distance, donc la formation des enseignants dans cette nouvelle, ben, cette méthode d'enseignement-là qui est différente. À mon tour, je voulais souligner l'appui financier du réseau des Cégeps et des collèges francophones du Canada. Nous sommes très reconnaissants pour l'appui du RCCFC depuis plusieurs années pour nos projets. Donc, c'était un incontournable pour nous de mentionner cet appui financier-là. Notre question de départ en 2018, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on échange là-dessus avec nous, c'est est-ce que les technologies mobiles, et nous on s'attardait sur portable, tablette, cellulaire, etc., sont des sources de distraction ou c'est un outil qui n'est pas exploité à son plein potentiel? Tu peux changer. Si on se ramène à l'époque, en 2018, pourquoi on a décidé là, d'aborder ce sujet-là? C'est qu'en France, à ce moment-là, interdisait tous les cellulaires dans les écoles et les collèges. Donc, au Québec, entre autres, au Canada, on n'en parlait pas, mais la France, là, prenait cette tangente-là. Par rapport à ça,
En même année, en 2018, l'UNESCO, de son côté, organisait la semaine de l'apprentissage mobile. Donc, on voyait ici que les sujets étaient d'un côté, on les interdit, de l'autre, on en fait une semaine spécifique sur l'apprentissage mobile qui, pour eux, l'UNESCO, selon eux, les appareils mobiles, là, représentent un levier efficace pour faire face aux défis contemporains du monde de l'éducation. Puis, à peu près dans la même année au Québec, ben, on a notre ministère de l'Éducation qui, lui, faisait le lancement de son plan d'action numérique et de la compétence numérique. Donc, nous, on avançait dans l'utilisation des outils numériques en éducation. En France, on l'interdisait. Et puis là, ben, boum, tout le monde connaît la COVID maintenant. À ce moment-là, ben, le cellulaire, pour certains étudiants, certains élèves étaient pour eux le seul moyen d'avoir accès à leur enseignant. Donc, tout le monde s'est retrouvé en enseignement en ligne du jour au lendemain. Pas tout le monde qui était équipé pour ça. Donc, pour plusieurs, le cellulaire devenait l'outil, principal. Puis là, je vous ramène en 2023. Ben là, le ministère de l'Éducation au Québec interdit le cellulaire en classe, après les fêtes c'est ça, l'année passée, là, tout dernièrement, le 27 décembre 2023. Plus de cellulaire en classe, en 2023. Puis encore maintenant, on entend de plus en plus parler de santé mentale. Donc, est-ce qu'on doit revenir 100% au papier crayon? Qu'est-ce qu'on fait avec le numérique, avec le temps d'écran? L'intelligence artificielle est venue se mélanger avec tout ça. Donc, comment on fait pour s'y retrouver? Fait que pour nous, dans le fond, on s'est dit, ben, ça fait 2018 qu'on travaille en parallèle sur ce sujet-là, puis on se rend bien compte qu'en 2024, ben, il est toujours d'actualité. Et on dirait encore que dans les différents milieux, c'est difficile de se situer ou de se faire une tête là-dessus. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est une distraction ou c'est toujours un potentiel non exploité ou mal exploité? On vous pose la question ici par un ou-clap. Et là, je vais prendre le partage d'écran, mon cher Ryan, si ça ne te dérange pas, qu'on puisse voir les réponses. Est-ce que les gens ont besoin d'un petit 30 secondes pour prendre en note, Oui. Oui, effectivement. Merci de le ramener. soit prendre une photo du code QR ou de taper whoopla.com avec le code? Verra quand y aller, Ryan, t'es mon chef. Ah, mettre dans le chat, bonne idée. Je vous mets ça. Je l'ai ouvert sur mon autre écran. OK, ça va être dans la conversation, le chat. Donc, je vais arrêter le partage de mon côté. Ah. Écran 2. Ah. Donc, on vous pose la question à vous. Selon vous, là, vous êtes supposé de voir mon écran. Selon vous, les appareils mobiles en contexte pédagogique, est-ce une distraction ou un potentiel pédagogique non exploité? Donc, on va laisser quelques instants pour que les réponses rentrent. Donc, on voit que pour l'instant, c'est le potentiel non exploité qui est en priorité, mais ça bouge, ça bouge. Si ça bouge plus d'ici quelques secondes, on On avait. n'était pas fin, on n'a pas mis une option C les deux, là, Non! mais. Ouais, c'est ça, on n'a pas été fin là, ce coup-là. Donc, on voit que, on a 28 % des répondants. Là, on est 48 sur 30, 32. On a 32 répondants, donc on a 73 % qui disent, ben moi, je pense que ce n'est pas, c'est un outil qui est mal exploité, qui aurait intérêt à l'être, et on a un 29 % là, que c'est une distraction. Donc, c'est à peu près toujours le même résultat qu'on retrouve quand on pose la question. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse poursuivre, hein, Ryan? On a un souci de respecter notre temps. Donc, tu peux repartager. Bonjour. Et c'est à mon tour. Donc,
Cette présentation, c'est ça, est basée sur un contenu de notre formation que le collectif Pratique FAD a conçu dans les phases antérieures du projet. C'est vraiment au sujet de l'apprentissage mobile et le micro-apprentissage. Alors, c'est ça. Pour le projet M-Apprentissage, nous avons sondé des conseillers pédagogiques à travers le Canada et des profs pour voir le niveau d'utilisation du mobile avant la pandémie. Et on a constaté qu'il y avait très peu de matériel de formation qui existait à l'époque. Donc, le collectif Pratique FAD, avec les 5 collèges membres qu'on a mentionnés au début de la présentation, on a décidé de créer du contenu pour les conseillers pédagogiques, les profs et même des administrateurs des collèges pour leur initier au M-apprentissage. Puis, on va expliquer un peu c'est quoi le M-apprentissage. En fait, ça consiste de deux éléments principaux, dont l'apprentissage mobile et le micro-apprentissage. Et notre posture, nous croyons, le collectif Pratique FAD, que la technologie mobile a sa place dans l'enseignement quand son utilisation est bien balisée et normée. Donc, on affiche déjà nos couleurs en partant, peut-être dans le but de vous influencer ou peut-être que non, parce que on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous, qui croient que le potentiel est non exploité selon le sondage WCLAP. Je continue. Donc, les deux concepts que j'ai mentionnés, apprentissage mobile puis micro-apprentissage, mais on va les définir un petit peu pour avoir une compréhension commune. Donc, l'apprentissage mobile, c'est un concept éducatif qui permet un accès continu au savoir à l'aide des appareils mobiles et on apprend où on veut, quand on veut. Et c'est ça, c'est important de souligner que ce n'est pas nécessairement juste dans le cadre d'un apprentissage à distance. Ça peut aussi être utile dans le contexte du présentiel. Plusieurs étudiants, en fait, plusieurs enseignants, plusieurs intervenants de l'éducation utilisent déjà l'apprentissage mobile de façon inconscient, mais les cours ou le contenu ne sont pas nécessairement pensés ou conçus pour ce type de formule. On donne quelques exemples de l'apprentissage mobile, les tutoriels sur YouTube, c'est ça, on a Omnivox, Leia, des applications mobiles pédagogiques, etc. C'est toutes des choses qu'on utilise couramment dans notre quotidien, mais sans nécessairement penser à l'apprentissage mobile. Et ensuite, le micro-apprentissage, je cède la parole à Kim. Oui, donc le micro-apprentissage, en fait, c'est une manière de penser notre contenu pour qu'il puisse être adapté là, à l'apprentissage mobile. Dans le fond, c'est l'important, c'est vraiment de présenter du contenu à l'aide d'extraits très courts, de contenu très court. Donc, c'est certain que suivre tout un cours au complet sur un cellulaire, ce n'est pas la bonne chose à faire. Par contre, si à l'intérieur d'un cours, un prof, par exemple, décide qu'un contenu est plus complexe pour les étudiants, ben, il pourrait granulariser tout son contenu en petites granules, en petits objectifs d'apprentissage, faire du contenu qui se lit bien sur un appareil mobile et l'étudiant peut reviser le contenu où il veut, quand il veut, en dehors de la classe. Donc, le micro-apprentissage, c'est d'organiser et diviser du contenu là, en plus petites granules pédagogiques possibles. Et de l'organiser dans un parcours d'apprentissage libre de choix ou non. Donc, un étudiant pourrait se promener à travers, exemple, du micro-apprentissage d'un module à l'autre ou suivre vraiment un parcours que l'enseignant lui aurait bâti à prime abord. Puis c'est axé surtout sur des compétences précises. Donc, par exemple, un étudiant pourrait, dans un cadre d'un cours où il est dans un laboratoire, moi, je ne sais pas, de chimie, avoir accès à du contenu mobile sur son cellulaire pour l'aider dans la mise en place de ses outils ou des manipulations qu'il doit faire. Donc, voilà. Si tu changes ensuite, c'était toi. Oui, exactement. Donc, tout ça pour dire que l'apprentissage mobile et le micro-apprentissage sont complémentaires. Ils s'intègrent parfaitement l'un à l'autre.
En fait, le M apprentissage combine ces deux approches qui sont intimement reliées pour en créer une seule. Donc, le M apprentissage n'est pas de la formation à distance, mais le concept peut s'intégrer à plusieurs formules, ou types de parcours pédagogiques, que ce soit le cas modal, présence, classe virtuelle, stage, etc. Donc, c'est ça. Pour résumer, le M apprentissage, c'est le croisé des deux chemins, micro-apprentissage et l'apprentissage mobile. C'est quoi les avantages pédagogiques là, d'intégrer le M apprentissage dans le cadre d'une formation, d'un cours? C'est sûr qu'il y en a d'autres là, que ceux qu'on énumère ici, mais c'est les essentiels à notre avis. C'est un enseignement moins linéaire et plus libre. Donc, c'est évidemment, l'étudiant peut revoir du contenu ou l'utiliser pour la révision. Donc, on n'est plus dans je vais en classe, ensuite je quitte et je n'ai plus accès, je dois être avant mes livres ou quoi que ce soit. Donc, on est dans un enseignement moins linéaire et beaucoup plus libre, un accès permanent, rapide en tout temps et en tout lieu. Donc, je peux reviser une notion en étant dans le métro ou encore en étant en voyage. C'est sûr que l'important, c'est qu'on met à profit la malléabilité des appareils mobiles. Donc, on le dit, un appareil mobile, c'est mobile. Ce n'est pas pour être physiquement à un bureau. Donc, on met vraiment à profit les avantages de cette mobilité-là. Ça soutient l'apprentissage collaboratif et indépendant. Collaboratif parce que beaucoup d'enseignants vont utiliser les stratégies là, du mobile apprentissage justement pour développer les compétences collaboratives de leurs étudiants. Ça répond à des besoins ciblés à des moments précis. Donc, un étudiant est en train d'étudier puis se souvient plus de telle ou telle notion. Il peut, avec le cellulaire, avoir accès à comme je disais tantôt, des granules, des petits bouts de matière où il peut reviser rapidement. De toute façon, ils le font déjà aussi. Ça utilise des concepts appréciés et connus de la nouvelle génération d'apprenants. Donc, ils font déjà beaucoup d'apprentissage mobile, nos jeunes et moins jeunes. Quand on a quelque chose qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un tutoriel sur YouTube. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'acquis. Comme je dis souvent, l'anecdote ici, mon garçon de 16 ans a appris comment changer, comment faire de la mécanique sur son scooter en étant sur YouTube. Donc, lui, il a un problème avec son scooter, va voir sur Internet, trouve tout de suite un tutoriel et est capable de régler le problème. Donc, pour eux, c'est déjà un acquis d'utiliser ces outils-là disponibles pour apprendre des nouvelles choses. Kim, je ne sais pas, j'ai eu une petite laïus tantôt, mais est-ce qu'on a mentionné l'étude de Cégep de Lévis? C'est Ah non, peut-être je l'ai pas. Non, j'ai oublié, je pense. J'étais trop soucieuse de ne pas parce trop parler. qu'il y aura peut-être d'autres avantages qui sont mentionnés dans celle-là. Donc, je te laisse aller. Ouais, exactement. En fait, ce que Ryan fait référence, c'est que dans le réseau Reptique, là, c'est un heureux hasard. La semaine dernière, dans les échanges de la communauté, j'ai vu passer là, un de mes collègues conseillers pédagogiques à Lévis. Ben, c'est sûr que par l'annonce du ministère de l'Enseignement au Québec d'interdire aux primaires et aux secondaires les appareils mobiles en classe, ben, ça se questionne aussi dans les cégeps. Donc, lui, son institution lui a donné le mandat un peu de recenser les pratiques, les recherches qui se sont faites par rapport à l'utilisation du cellulaire en classe. Mais il y a certaines utilisations que j'ai mises un peu plus tard dans notre présentation. Donc, on voit que déjà encore en 2024, beaucoup se questionnent là-dessus. L'objectif de ce mandat qui avait été donné, c'est que le collège puisse avoir une vision commune de l'utilisation des appareils mobiles dans un contexte pédagogique. C'est encore à moi. Donc, dans les premières phases de notre projet, si tu passes à l'autre page, ouais, on a passé des entrevues en ligne avec des groupes d'enseignants dans différents collèges francophones du Canada. On a aussi diffusé via tous nos réseaux là, une enquête par sondage. Ça avait comme objectif à cette époque-là, 2018, là, ça c'est en 2019, je pense, d'analyser le niveau d'utilisation en classe puis l'impact que l'apparition de ces appareils-là pouvait avoir sur l'enseignant, sur l'enseignement. Les résultats complets sont sur le site de Pratique FAD que j'ai mis ici, le lien.
Mais si vous allez sur pratiquefab.ca, c'est facile à retenir, vous allez avoir tous nos articles là-dessus. Donc, ce qui nous a été dit à cette époque-là par les enseignants qu'on a sondés, c'est que la gestion, ça facilite les communications avec les étudiants. Donc, et je pense que post-COVID, c'est encore plus d'actualité. Donc, auparavant, là, on allait avec des courriels où l'étudiant se présentait à notre bureau si on avait à le rencontrer. Donc, le cellulaire facilite la communication, le lien qu'on peut développer avec les étudiants. Par contre, ça a un impact direct sur la gestion de classe. Donc, plusieurs nous disaient, j'ai dû moi-même là, encadrer sans bannir. Donc, si j'ai eu à m'adapter dans ma gestion de classe à ce niveau-là. Ce que la majorité nous avait dit à cette époque-là que je trouvais intéressant, c'est que dès que j'encadre, que je ne bannis pas, que j'explique les règles dès mon premier cours, que j'explique comment moi je perçois le cellulaire dans la classe, c'est quoi mes règles à moi, ben, à ce niveau-là, j'ai moins à faire la police par la suite parce que dès le départ, dès le début du cours, c'est déjà clairement pour tout le groupe établi comment je fonctionne. Donc, les étudiants ne restent pas dans le flou. Le pourcentage de gens qui nous disaient qu'ils manquaient de formation pour développer du contenu, utiliser les appareils mobiles de manière pédagogique était assez unanime à ce niveau-là. C'est que oui, on est intéressé, mais on ne sait pas comment faire, quoi faire, comment bâtir tout ça. Donc, c'est ce qui avait été dit à l'époque. De notre côté, à nous, ben Ryan a un peu vendu la mèche tantôt. Nous, on pense évidemment que ça a un potentiel, mais qu'il faut quand même l'encadrer. Donc, comme on mentionnait, là, les étudiants l'utilisent déjà. C'est très important d'enseigner l'usage éthique des appareils mobiles. Donc, la compétence numérique, là, on se souvient qu'au cœur de cette compétence numérique-là, on a un citoyen éthique. Je pense que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on doit des fois se questionner sur l'utilisation éthique de nos appareils mobiles dans des réunions. Ben, je pense qu'il faut aussi enseigner à nos étudiants comment l'utiliser. Puis c'est en développant des activités pédagogiques qui sont bonifiées par ces outils-là qu'on va arriver aussi à développer cette compétence éthique-là. Avoir un plan B, donc utilisation équitable, on pourrait penser que tout le monde en 2024, les jeunes ont tous des cellulaires, peut-être, mais ils ne sont pas tous fonctionnels, ils ne sont pas tous au même niveau. Donc, c'est important pour un prof que oui, si vous l'utilisez, ben, ayez un plan B. Donc, si un étudiant n'a pas de cellulaire de son côté, ben, est-ce qu'on le fait travailler avec un autre étudiant qui en a un? Est-ce qu'on a un chariot avec des iPads? Est-ce qu'on a des ordinateurs portables disponibles? Donc, c'est important d'avoir un plan B. Puis, beaucoup nous avaient dit, puis nous, on est évidemment, on prêche. Pour ça, c'est avant même d'utiliser un nouvel outil technologique dans le cadre d'un cours, ben, il faut être accompagné là, dans le processus là, au niveau pédagogique et on doit avoir évidemment accès à du soutien technique autant pour l'enseignant que pour l'étudiant. C'est encore à moi après? Ben oui, c'est encore à moi. Au niveau des préoccupations pédagogiques, donc ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que les enseignants utilisent des stratégies reliées au même apprentissage, mais ils l'ignorent, donc ils ne savent pas. Évidemment, comme tout outil numérique, ça doit apporter un plus pédagogique. Très peu, par contre, vont concevoir du contenu pédagogique mobile. Donc, ils vont, par exemple, prendre une note de cours, d'un document Word, le mettre en PDF. Le déposer sur un environnement numérique d'apprentissage et dire, ben, vous pouvez consulter sur votre cellulaire vos notes de cours là, pendant que vous faites votre travail. Mais tout le monde sait que lire un PDF sur un cellulaire, là, c'est pas super. C'est pas conçu pour être vu sur un appareil mobile. Donc, c'est conçu pour être vu sur un ordinateur de bureau. Donc, plusieurs veulent l'utiliser, mais très peu savent comment concevoir du contenu qui va être intéressant sur un cellulaire. Évidemment, ça favorise l'inclusion pédagogique et l'apprentissage actif, puis ça soutient la ludification de l'apprentissage. Il y a des éléments là-dedans là, qui sont en référence avec ce qui a été fait au Cégep de Lévis, que j'ai mis en référence aussi dans la présentation. Quelques exemples qui avaient été faits, et puis là, je fais un parallèle. L'année dernière, on a fait la même présentation au Sommet du numérique en éducation. Puis on partageait la présentation avec une enseignante du secondaire.
Elle, dans sa classe, elle n'utilisait que les livres numériques. Donc, c'est-à-dire que dès le début de l'année, quand elle fait la rencontre dès le début de l'année avec les rencontres de parents, elle informait les parents que, dans le fond, dans sa classe, les élèves peuvent amener leur cellulaire et leur tablette, qu'elle, elle utilise des livres numériques, que les élèves peuvent prendre des prises de notes numériques. Puis ce qu'elle mentionnait comme anecdote, c'est qu'elle dit, je n'ai plus de problème à gérer de type, je n'ai pas mon livre, je n'ai pas mon sac. J'ai laissé ça dans mon auto, j'ai laissé ça dans. Bref, les étudiants ont toujours leur matériel avec eux. Elle a évidemment un plan B, là, elle a un chariot de tablettes de disponible si jamais quelqu'un n'était pas, mais elle l'utilise là vraiment à, je dirais pas à 100 % là, mais à presque à 85 % là, dans son cours dans une école secondaire. Sinon, bien évidemment, des exemples qui nous avaient été donnés à l'époque quand on avait sondé des profs en éducation physique, ben, c'est d'intégrer des applications sportives où que les étudiants peuvent ensuite partager leurs données. Balado pédagogique, à l'époque, on commençait à en entendre parler. Maintenant, mon Dieu, c'est rendu très populaire, les balados, quasiment plus populaire que les capsules vidéo. Compléter une chasse au trésor aussi, là c'était le cadre d'une technique en tourisme. Donc les étudiants devaient se promener dans la ville et prendre des photos avec leur cellulaire et compléter un portfolio collaboratif. Évidemment, on a tout ce qui est vidéo 360 ou immersive. Visible Body, qui est une application là, de réalité augmentée et d'images 3D, là on le voit un peu en bas à gauche, là, très utilisé en biologie. Captation vidéo dans un milieu de stage. Écouter de la musique pour la concentration. Donc, des profs permettaient, pendant une évaluation, tu peux mettre de la musique dans tes oreilles pour te concentrer. Un outil de révision aussi, je me souviens, ça, c'était un prof de langue qui avait développé des outils mobiles pour la révision. Puis, évidemment, là, toujours très populaire, sondage de type Kahoot ou Clap qui roule depuis des années dans les cours. Donc, ça va d'un peu partout, l'utilisation du mobile. À ton tour. Désolé, j'avais un dialogue qui était devant mon bouton pour activer mon micro, chose qui arrive quand on a trop de technologie. Donc, c'est ça, j'ai mentionné au début de notre présentation que le contenu a été tiré d'une formation qui existe déjà. C'est ça, on a un site web que Kim a mentionné avec... Les résultats de nos recherches, on publie parfois des billets de blog, puis c'est disponible au pratiquefad.ca où vous pouvez taper l'URL qui est là ou prendre une photo de notre code QR pour avoir accès à nos billets de blog avec des éléments importants de notre projet du collectif PratiqueFad. Je vais juste descendre la prochaine diapo. Dans le prochain bloc, c'est ça, on va parler un petit peu de notre formation qui est disponible, qui a été conçue en fait pour s'initier les gens au même apprentissage. En fait, vous pouvez voir cette formation sur le site formation.pratiquefad.ca. Que peut-être Kim, on peut mettre dans le chat juste l'URL. En fait, c'est l'instance Moodle de notre projet où on héberge nos contenus. Je vais juste vous donner un petit aperçu des modules qu'on a développés ou qui sont en développement. Donc, le module 1, c'est vraiment pour toutes les personnes intéressées par le concept du micro, excuse, de M-apprentissage. On a le module 1, comprendre le micro, excuse-moi, M-apprentissage. On a le module 2 aussi qui met en place des projets de M-apprentissage. Dans ce cas-ci, on cible plus les conseillers pédagogiques ou les gestionnaires parce que c'est beaucoup dans les considérations préalables avant d'implanter des programmes massifs de M-apprentissage dans nos établissements.
C'est ça. Il faut assurer que l'infrastructure est là pour soutenir. Kim a mentionné le soutien technique. On a déjà aussi connu des réseaux Wi-Fi pas super stables dans certaines cégeps à une certaine époque, certains collèges. C'est tous des éléments qui sont importants d'avoir en place avant. Le module 3 et 4 vont être dans notre Moodle bientôt. Notre objectif, c'est d'ici l'été d'avoir tout le contenu disponible. On aura un module plus pour accompagner les enseignants dans la démarche de créer des outils de m-apprentissage. C'est ça. En fait, c'est les conseillers pédagogiques qui sont plus visés par le module 3, puis dans le module 4, c'est plus à l'intention des enseignants. Donc, le 1 et le 2, vous pouvez y accéder tout de suite à formationpratiquefad.ca. C'est des comptes gratuits. Il faut s'inscrire pour avoir un accès à notre Moodle, mais il n'y a pas de frais pour s'abonner. Puis l'autre chose que je voulais juste mentionner, les modules sont un peu différents. Ils sont tous des vidéos interactifs qui ont été conçus pour suivre les formations sur un appareil mobile. Donc, à l'origine, le collectif Pratifad a eu un débat. Est-ce qu'on fait ça en horizontal ou en vertical? Puis moi, avec mon amour pour le cinéma, j'étais vraiment contre de faire ça en vertical. Mais écoute, il y avait 5 votes, puis il y avait juste un vote contre les vidéos verticales. Donc, c'est tout en vertical, puis c'est conçu vraiment pour un cellulaire. Donc, vous allez peut-être constater quand vous allez visiter ces modules-là que c'est un peu différent. Puisqu'on a peut-être 2, 3 minutes aussi, j'aimerais juste mentionner que on a conçu tous ces modules-là à partir de PowerPoint. On a fait des MP4 avec l'interaction avec H5P. Donc, c'est pour nous, on a tous pas mal accès à PowerPoint dans nos cégeps. C'est un outil qui est familier pour les profs. Puis, on peut utiliser PowerPoint avec les animations, la chronologie, le minutage et tout ça. On peut créer des vidéos à partir de PowerPoint. Donc, c'est un bon point de départ pour les enseignants. Je voulais mentionner aussi que dans nos dernières phases du projet, on a développé une application mobile pour faciliter l'accès au contenu sans passer nécessairement par Moodle pour avoir un compte et tout ça. Donc, on est dans les dernières étapes de déposer ça sur l'App Store puis sur Google Play. C'est ça. On a fait des petites captures d'écran pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Vous voyez dans le deuxième capture d'écran, le troisième et le quatrième, à quoi ressemble un petit peu la formation quand vous visionnez ça sur le cellulaire. Vous voyez dans le troisième graphique, il y a de l'interaction, il y a des quiz qui sont possibles avec H5P. Puis c'est ça, dans le deuxième capture d'écran et le quatrième, on voit plus les contenus. Comment ça se présente dans notre application mobile. Si vous êtes intéressé par soit la formation sur notre Moodle ou l'application mobile, on va afficher nos courriels, nos adresses courriels à la fin de la présentation. Puis vous pouvez communiquer avec nous, puis on va vous partager l'information aussi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Ryan? Oui, En vas-y. fait, aussi avec le développement de cette application-là, mais aussi le développement du contenu, ce qui est intéressant avec nos projets là, dans Pratique-Fab, c'est que nous-mêmes, on développe notre expertise, on se forme. Donc, c'est certain qu'il y a des enjeux là, qu'on a rencontrés, des défis. Puis, Ryan en parlait, on ne voulait pas non plus utiliser de la technologie trop poussée. Ou encore être dépendant là, de ressources externes dans les collèges parce qu'on se disait, dans le réseau pan-canadien, ben, c'est le fun quand on peut développer à l'interne avec des outils qui existent déjà. Donc, ça a été quand même une bonne partie de notre questionnement avant même de développer le contenu, c'est quel outil qu'on peut utiliser qui est accessible à tous. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter.
Merci Kim. Effectivement, puis il y a des logiciels auteurs qui existent aussi pour concevoir ces genres d'affaires, mais des fois c'est très dispendieux. On n'a pas tous les moyens. Des fois, on a une seule licence par établissement, donc on voulait être le plus démocratique dans notre approche possible. Puis juste mentionner notre application mobile pour ceux qui sont intéressés par la techno. On a conçu dans l'environnement Flutter et Dart qui est fait par Google. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec cet environnement-là, ça vous codez une seule fois, puis vous pouvez déployer en iOS pour Apple, puis Android. Tu n'as pas besoin de développer deux codes sources différents. Là, vous avez encore le lien vers la formation .pratifad.ca. Vous pouvez prendre ça en photo ou communiquer avec nous un peu plus tard par nos adresses courriel qu'on va afficher. Juste avant qu'on entre dans la période des questions et d'échanges, on voulait juste vous donner des informations sur notre projet actuel qu'on est en train de développer. Et je vais juste revenir ici. Cette année, on a une nouvelle phase et un nouveau projet qui s'appelle le projet Pérennisation. Et là, il y a beaucoup de développement des ressources éducatives libres ou des ressources éducatives numériques. Donc, les modules de micro-apprentissage, par exemple, c'est des REN. Et là, on a constaté que souvent, il y a des projets qui peuvent recevoir du financement et on déploie les REN. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe avec les REN? Comment est-ce qu'on les garde à jour? Comment est-ce qu'on assure un bon cycle de vie, une longue durée avant la date de péremption de ces ressources-là? Donc, notre équipe cette année est en train de faire une recherche documentaire, puis des rencontres avec différents secteurs d'activité comme les maisons d'édition, des éditeurs de logiciels et des établissements qui sont engagés dans la production des ressources éducatives numériques afin de voir c'est quoi les meilleures pratiques, puis on va monter un wiki avec ce qu'on retrouve cette année. Donc, on trouvait que c'était un angle mort, peut-être la production des REN. On les développe, on crée des métadonnées, on les déploie, mais après ça, après 2, 3 ans, ils peuvent devenir désuets. Donc, on voulait que nos investissements soient plus pérennes, puis c'est ça qu'on fait cette année. Alors, on est arrivé à la fin de notre présentation. C'est ça. Vous avez, si vous voulez approfondir sur l'apprentissage, on vous encourage de vous inscrire à formation.pratiquefad.ca pour avoir un peu plus d'informations. Mais je vais laisser le mot de la fin à Kim, peut-être. J'étais censé, en tout cas. Désolé, Kim. Ah, je me souviens pas, c'est pas grave. Écoute, on est à 2 minutes. On s'était dit qu'à 45, on devait avoir terminé pour laisser une période de questions. Fait que je pense qu'on a réussi notre défi. Merci beaucoup. Dans le fond, on est là pour répondre à vos questions. Peut-être un petit quelque chose qu'on a oublié, Ryan, c'est que quand aussi on a développé l'application mobile, on a fait affaire avec des étudiants. Du programme au CCNB en développement d'applications mobiles. Donc, on a eu de l'aide de leur part là, pour bâtir l'arborescence et tout le devis du projet. Puis, on a aussi eu après, au niveau de la programmation et du développement là, des ressources du CCNB là, qui ont été incluses dans le projet, qui faisaient aussi un transfert d'expertise entre notre équipe et eux pour que, parce que un de nos objectifs dans nos projets, c'est aussi de se former nous-mêmes pour qu'il y ait des transferts d'expertise entre les établissements. Donc, on a oublié de dire ce petit détail-là, mais on avait des étudiants là, de niveau collège qui nous ont aidés, puis une équipe de développement là, au CCNB là, en programmation. Ouais. Effectivement, Kim, merci pour le prototypage. C'était vraiment une équipe d'étudiants. Ils ont donné ça à une équipe de programmation qui est plus, c'est ça, en affaires au CCNB par la suite. Puis c'est ça. C'était fascinant hein, de tout le processus. Puis on est toujours en apprentissage, là. Oui, tout à fait. Donc, on est rendu à la période de questions, Mathieu. De notre côté, on a Oui. terminé. OK, parfait. Ben, merci. Très intéressant la présentation. Puis je pense que les gens ont été aussi beaucoup intéressés. Donc, ben, dans le fond, ils peuvent poser leurs questions en levant la main ou sinon, il y a toujours le clavardage aussi. Certains déjà avaient commenté. Donc, vous connaissez l'outil. Donc, je vous laisse
y aller à votre guise. J'en profite pendant que j'ai la parole. Je vais mettre dans le clavardage le lien vers le sondage. Donc, pour la satisfaction de l'atelier aujourd'hui, je vous invite aussi à répondre à ce sondage. Donc, on a déjà des merci d'ailleurs qu'on voit dans le clavardage. Vous avez toujours le temps si vous voulez poser des questions. Il s'agit de lever la main, d'aller les poser dans le clavardage. Sinon, entre-temps, j'ai aussi, moi, d'autres petits messages que je peux vous donner. Ah, on a une question. Allons-y avec les questions d'abord. Donc, Monsieur Bergeron, qui a la main levée. Oui, j'avais une petite question. Je vous remercie. En fait, c'est super intéressant. Moi, je suis enseignant à distance, puis donc le M apprentissage, c'est quelque chose qu'on ne pense pas réellement quand on fait la conception de cours présentement, mais c'est quelque chose qu'on sait que de plus en plus d'élèves utilisent. Maintenant, si je reviens sur la question initiale que vous avez posée, est-ce que c'est une distraction? Est-ce que c'est. J'aimerais quand même vous entendre sur le fait que ça. Le fait qu'ils utilisent cet outil-là n'enlève pas nécessairement que ce soit une distraction non plus. Est-ce que, tu sais, comme là, vous avez parlé de règles en classe et tout ça, est-ce que vous avez peut-être des choses que vous avez vues sur des types de manières ou de techniques à utiliser pour justement éviter, puisqu'ils utilisent leur téléphone pour apprendre, comment faire pour ne. Justement, éviter qu'ils tombent en distraction assez rapidement sur les autres multiples applications qu'ils ont. Peux-tu commencer, Kim, puis je peux enchaîner par la Ouais, suite? moi, là, vas-y, Ryan, je vais placer mes idées en adorant. C'est bon, mais en fait, je pense que Kim a vraiment parlé d'avoir des règles de vie au début de la session. C'est une des meilleures pratiques pour commencer, mais il y a toutes sortes de stratégies pour que ce soit un outil et pas une distraction dans les règles de vie. On peut être explicite. Vous avez le droit de toucher à vos cellulaires pour voter. Quand je vous demande de voter dans le cadre d'un WCLAP ou un sondage Socrate ou d'autres applications, c'est une stratégie d'engagement des étudiants pour garder leur attention. Tu leur poses des questions de temps en temps, tu les laisses voter, puis il y a un élément anonyme à ça. Il y a toutes sortes de configurations de classe aussi. Il y a la prestation un peu magistrale ou c'est un peu sens unique, là, qui est plus à risque, je pense, avec les cellulaires et les distractions et tout ça. Mais si on est plus dans une approche par projet et on a des équipes qui travaillent ensemble, on leur assigne une certaine question à traiter en groupe, mais le cellulaire devient un outil de référence parce qu'ils vont aller chercher des informations sur Internet pour alimenter un petit peu leurs travaux. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'une des clés, c'est vraiment d'impliquer les étudiants plus dans leur apprentissage et puis être moins dans une posture d'enseignement magistral. Et moi, je trouve que on est tous des intervenants matures quand on veut enseigner une matière, mais avoir la posture que moi, je suis l'expert puis vous êtes mes apprenants, ça fonctionne plus. Mais si on adopte une posture plus, on est tous en train d'apprendre ensemble. Moi, je pense que les dynamiques changent dans la classe, puis ça peut être intéressant d'introduire plus d'interactivité. Je laisse Kim compléter mes pensées. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Ryan. Je pense que tu lis dans mes pensées. C'était un peu là vers quoi je m'en allais aussi. Tu sais, moi, dans mon rôle de conseillère pédagogique, des fois, je dis souvent qu'on me demande une baguette magique pour faire disparaître des choses ou pour régler un problème. Mais c'est sûr que en 2024, quand on parle d'apprentissage actif, quand on parle de mettre les jeunes en action, qu'on change de posture, ben, il y a déjà beaucoup de problèmes qui se règlent par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment dans le même sens que Ryan que je m'en allais. J'avais une autre idée, mais elle m'a quittée. Elle me reviendra peut-être, ça m'arrive des fois. Ouais, c'est ça. Non, je la retrouve pas. Fait que je sais pas, Kevin, si ça répond un peu. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, même un cours standard où on n'a pas d'électronique ou de cellulaire, si le cours, je m'excuse, mais est un peu monotone, ben rapidement dans notre tête, là, en tout cas moi la première, je vais réfléchir à mon épicerie qu'il faut que je fasse plus tard ou tu sais, je vais déjà être distraite par autre chose.
même que mon appareil. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais. On a d'autres questions, Kim. J'ai Jean-François Morin qui a levé la main en premier. Ensuite, on a une autre main levée. Dans le clavardage, on a des commentaires, Monsieur Haché ou Antoine J. Haché. Une des règles d'efficacité pour gérer le changement est d'impliquer les individus, même en éducation. Marie-Josée Tondreau, c'est aussi un apprentissage d'utiliser le numérique adéquatement et au bon moment. Clémence Desjardins, très bon point, ce changement de position de la part de l'enseignant. Donc, c'est très intéressant d'avoir la participation des gens aussi dans le clavardage, les commentaires. Continuez comme ça. Je laisse la parole à Monsieur Morin pour questions, commentaires. Allez-y. Oui, merci en passant pour la belle présentation. Moi, en passant, j'adhère à votre position qu'on devrait, on a des la technologie, elle sert justement, il y a des bénéfices au niveau pédagogique. Je me questionne juste si vous aviez dans vos réflexions, dans vos recherches, si vous étiez penché, parce que l'arrivée du cellulaire, c'était vraiment un changement au niveau sociétal. Donc, vous savez, maintenant, quand on regarde même dans les salles d'attente, les gens se tournent vers l'utilisation du cellulaire. Moi, je parle même pas juste des jeunes. Moi, je parle aussi des adultes, des moins jeunes, des plus. En tout cas, donc, je me suis demandé si on s'était questionné sur l'impact sur la santé des apprenants, parce que on parle de distraction, mais moi, il y a des mots comme addiction, dépendance. C'est un questionnement que des conversations que j'ai eues aussi avec des élèves à un moment donné. Est-ce que vous pourriez vivre sans votre cellulaire, fonctionner sans votre cellulaire pendant X nombre de temps? Donc, c'est juste un questionnement que je me demandais si vous vous étiez penché là-dessus de votre côté aussi. Merci. Peut-être répondre, Ryan, je te laisse la parole après. Dans le cadre de ce projet-là, on ne s'est pas penché là-dessus nécessairement, mais je pense que chacun dans les dernières années de notre côté a été confronté à ça. Moi, j'ai eu des discussions dernièrement aussi. Tu sais, oui, je travaille beaucoup dans le numérique, mais je pense que même notre rôle en tant que conseiller pédago numérique est à changer, à se modifier un peu parce qu'on parle de sobriété numérique, on parle de santé mentale. Moi, je suis la première à adhérer à mon collège d'avoir des zones de déconnexion. Je pense que le 100% numérique, j'adhère pas du tout à ça. Quand on y va avec des balises, des règles, là, c'est le moment d'utiliser. Après, on repasse au papier crayon. On va utiliser des post-it pour brainstormer. Demain, on va utiliser une application mobile pour brainstormer ensemble. Je pense qu'on développe cette espèce de sensibilisation là à dire que le numérique, ce n'est pas tout dans la vie, puis tu dois te prévoir des périodes de déconnexion, mais ce n'est pas le diable en personne. Ça devient aussi un outil intéressant qui vient appuyer certaines choses. Je pense qu'on travaille là-dessus aussi. Moi, où j'ai toujours un problème, c'est quand on dit on doit retourner à 100% papier-crayon. Tu sais, quand on parle d'un 100%, que ce soit un crip, un tableau, que ce soit un cellulaire, c'est là que j'ai un problème, moi, de mon côté. Mais c'est sûr que tout le monde en avance là-dedans. Ryan, je te laisse la parole. Oui, juste pour compléter, on fait déjà, à titre d'exemple, des sensibilisations sur l'intégrité intellectuelle, l'honnêteté. On peut aussi faire un message sur l'hyperconnectivité à nos étudiants, de parler de ces dangers, ces risques-là, etc. Là, pour le prochain bout de ma réponse, officiellement, je n'ai pas de mandat de mon collectif Pratique FAD de dire qu'est-ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Donc, c'est clair, tout le monde, c'est Ryan qui parle, ce n'est pas le collectif. Écoute, l'addiction, c'est l'addiction. Puis il y avait une époque au cégep où on fumait directement dans les salles de classe. Puis après ça, on a décidé, écoute, c'est pas bon pour la santé, on va faire des pauses. Puis comme ça, des personnes peuvent fumer. Mettons que dans les règles de vie pour une classe, on dit, écoute, vous, pendant qu'on travaille ensemble, vous n'aurez pas accès à vos réseaux sociaux, à votre messagerie, tout ça. Mais comme on a une période qui dépasse, je ne sais pas, 60 minutes ensemble, on va faire une pause à mi-chemin, puis vous aurez une 10 minutes pour aller vérifier vos affaires. Mais je veux que vous soyez concentrés quand vous êtes avec moi parce qu'on a des belles choses à faire ensemble. Donc, il faut tenir compte que ça existe, cette technologie-là. Les jeunes sont accrochés, puis leur sentiment d'appartenance passe par les cellulaires, puis leur participation au réseau. Donc, je pense que c'est là pour rester maintenant. Balayons l'utilisation.
Très intéressant comme exemple aussi, puis comme réponse. Là, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui s'ajoutent. Le temps commence à être serré. Fait qu'on va aller peut-être un petit peu plus vite, mais je veux laisser la chance aux gens de parler. Donc, on avait Monsieur Alain qui était dans la file d'attente, le prochain. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez poser votre question. Oui, merci, je vous remercie et je pense que ça a été, ça m'a permis de comprendre un peu l'impact du même apprentissage dans l'enseignement. Moi, je suis dans une université en Côte d'Ivoire, en Afrique, et cette question m'intéresse vraiment parce que ça a bouleversé la façon d'enseigner chez l'enseignant parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de dispenser un savoir, le téléphone, le cellulaire n'est pas vraiment interdit, donc à tout moment. L'apprenant peut essayer de vérifier ce que tu as dit est juste et tout ça. Et donc, c'est déjà inclus, n'est-ce pas, dans le système d'enseignement et d'apprentissage. Alors, moi, c'est là où je voudrais un peu arriver là-dessus, c'est au niveau de la gestion des classes. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez dans vos études, est-ce que vous avez évalué l'impact du cellulaire en fonction du niveau d'études? Parce que je l'ai expérimenté avec mes étudiants de deuxième année. Ça a été beaucoup plus difficile, ne serait-ce que pour les sondages. Mais par contre, dans un séminaire que je dispensais pour les adultes, et là, c'est beaucoup passé plus facilement, c'était bien concentré et tout ça. Et donc, je voudrais savoir un peu l'impact que vos études, est-ce que l'étude a évalué l'impact en fonction du niveau d'études? Et puis, quel est le taux d'utilisation du cellulaire dans une séance d'apprentissage? Est-ce que à quel degré l'on peut l'utiliser? À 20%, à 10%, 30%, c'est juste de manière à baliser un peu les choses pour que véritablement ce ne soit pas une addiction, voilà, une distraction, alors que bon, c'est un outil qui vaut le coup d'être utilisé. Voilà. Maintenant, dans la planification, comment ça peut se faire? Donc, c'était ça un peu Est-ce que mon commentaire. je me lance, Kim? Oui, vas-y, vas-y. C'est ça. On n'a pas fait une étude de cette nature-là, de voir par des strates d'âge qu'est-ce qui pourrait être bénéfique ou non. Je pense au sein du collectif, on a une certaine compréhension commune que pour les très jeunes, c'est peut-être pas une bonne idée d'intégrer l'utilisation des cellulaires. Beaucoup, peut-être le mobile un peu avec, c'est ça, les tablettes et tout ça, mais on s'est dit, rendu à l'âge où on se rend sur les bancs d'un collège ou d'une université, c'est des adultes et on ne peut pas vraiment empêcher à 100% des adultes d'utiliser ces choses-là. Donc, encourageons l'autorégulation des gens et créons ensemble, même ça peut être une négociation avec l'enseignant, l'utilisation qui est sanctionnée dans la classe. On peut négocier pour quelles raisons on utilise les choses. Mais non, on n'a pas poussé notre recherche jusqu'à là, malheureusement. Mais c'est très intéressant comme question de recherche, là. Puis si je rebondis sur ce que Marie-Josée Tondreau dit dans le clavardage qu'une étudiante a déjà fait à la semaine de la formation à distance du Fadio, que pendant les pauses, elle ne va pas sur les réseaux sociaux parce que c'est trop difficile pour elle ensuite de se concentrer à un trouble de l'attention. Ce que je me préparais à répondre à Marie-Josée, c'est que de plus en plus, moi je suis au collégial, mais j'ai des enfants de niveau secondaire, les jeunes se connaissent de plus en plus et savent de plus en plus comment, en tout cas beaucoup plus que notre génération, là, de qu'est-ce qui fonctionne avec eux quand ils apprennent, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur défi à eux. Donc moi, je sens cette tangente-là qu'ils le savent de plus en plus nos jeunes, comment ils sont faits puis comment ils apprennent de la bonne manière. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose de bien, je trouve. Oui, intéressant. Je pense aussi que les jeunes de plus en plus commencent à. Ils naissent pratiquement avec un téléphone dans les mains. Là. Fait que ça devient quasiment une partie du corps de plus ou quelque chose comme ça. Ils savent un peu comment l'utiliser. Il reste deux mains levées, M. Trottier. Ensuite, on a Madeleine aussi qui a la main levée. Donc, je vous Oui, laisse la ben parole. merci. Je trouve ça intéressant quand tu dis une partie du corps de plus parce que il y a des agresseurs sexuels là, en pédopornographie, etc., se sont vus par la cour refuser le droit d'avoir un cellulaire. Ça a été contesté, puis ils ont gagné en disant qu'on ne peut pas aujourd'hui retirer le cellulaire de quelqu'un parce que c'est l'extension de nous-mêmes au quotidien.
parce qu'on s'en sert pour les rendez-vous, on s'en sert pour faire une multitude d'affaires. C'est rendu un essentiel. Ça fait que les tribunaux ont reconnu ça. Ça fait que ça, je pense que c'est important de savoir ça. Puis après ça, là, je revenais à la question du début en disant, c'est, tu sais, moi, je disais, hein, en techpo, on l'interdit en technique policière, mais il y a des fois où on va l'autoriser, mais c'est toujours dans le contexte parce que ça, on peut s'en servir pour écouter un balado, on peut s'en servir pour faire de la formation en ligne. Alors ça, c'est super intéressant, là. Mais je me disais, est-ce que ça serait le temps qu'on arrête de dire le cellulaire et de considérer ça comme. Parce que moi, je dis, c'est un portable multifonctionnel numérique. C'est plus un, si c'est un cellulaire, oui, mais en fait, quand est-ce qu'on voit les gens parler avec ça? T'sais? Fait que je pense que ce serait vraiment le temps qu'on change l'appellation de ça. Moi, c'est ce que je suggère, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Parce qu'on dit ça, mais qui s'en sert pour appeler? Les gens s'écrivent, ils se parlent. C'était mon petit commentaire. C'est super intéressant, Réjean, parce que même au départ en 2018, on s'était dit qu'est-ce qu'on met dans le groupe appareil mobile. Puis en plus, les cellulaires à cette heure, là, il y en a qui sont vraiment gros, là, tu sais, et c'est beaucoup plus, on n'est plus dans les petits flips qu'on avait dans le temps. Donc, effectivement, le terme pourrait changer. Tout à fait. Oui. Mais téléphone intelligent, c'est pas mieux parce que c'est pas le téléphone qui était intelligent, c'est l'utilisateur. Ouais. Donc téléphone intelligent, c'est quand il est passé de la roulette au touchtone. On pourrait appeler ça la calculatrice. Non, Oh oui. non. Non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, je comprends l'argument, évidemment. Madeleine, je vous laisse la parole. Allez-y. J'irai plus assistant personnel. Oh. Oui, merci. Merci beaucoup et puis merci pour la présentation et surtout ben, le sujet parce qu'effectivement c'est toujours un sujet qui fait qui pose des problèmes ou qui pose des questions en tout cas. Et bon, personnellement je pense que c'est en fait c'est un outil d'ailleurs je pense que tout le monde ici l'utilise. Alors ma question est pourquoi est-ce qu'on va dire aux enfants ou aux élèves quel que soit le niveau d'ailleurs on va pas l'utiliser. Je pense que comme pour beaucoup de choses, comme pour une voiture, on ne va pas dire ah non, il ne faut pas utiliser la voiture ou il ne faut pas utiliser parce que ça peut être dangereux, effectivement. C'est même plus dangereux que la plupart des choses qu'on utilise. Je pense qu'il faut plutôt regarder comme quelque chose qui est indispensable et qui est un outil. C'est un outil, ce n'est pas autre chose. Et en tant qu'outil, après tout, on utilise les crayons, on a utilisé la calculette, on a utilisé l'Internet, on utilise notre portable, on utilise les tout. Maintenant, comment on l'utilise et comment on apprend à utiliser. Et surtout, je pense que ça fait partie de l'enseignement et de la recherche. Et savoir bien rechercher, savoir bien présenter, savoir utiliser, moi, je pense que ça fait partie du travail de l'enseignant. Et en classe, en fait, plutôt que d'interdire, je pense qu'il faut dire, eh bien, on utilise. Et même, c'est obligatoire. L'utilisation est obligatoire. Et ça fait que la relation que l'on a change complètement. Et c'est ça ce que je voulais dire. Et j'utilise beaucoup et je fais faire travailler avec Internet. Et je pense que c'est. Et beaucoup de vos collègues, comment dirais-je, des éditeurs, maintenant utilisent aussi. On a pratiquement les ouvrages qui sont en ligne et on peut travailler en classe. On a eu aussi ce qu'on a eu à une époque, tous les tableaux blancs interactifs. On a tous appris à travailler avec des outils. Donc je pense que il faut travailler avec les outils. Il faut juste savoir comment les utiliser, et c'est peut-être la plus grande chose, comme vous l'avez vous-même dans vos formations. Je pense que c'est le plus important. Comment l'utiliser et comment participer à l'utilisation. C'est tout ce que je voulais ajouter. C'est Merci. fascinant comment le sujet de ces appareils mobiles-là ne se tarit jamais. On dirait c'est tout le temps une roue qui tourne. On n'arrive pas à. Ouais. Ah, c'est vrai, puis tout le monde a son opinion aussi là-dessus, puis ça évolue, ça change tellement vite. Un jour, probablement que ça va devenir commun pour avoir fait le tour, je ne sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est très, très. C'est toujours, on dit toujours à chaud. Ouais, exactement. Ouais. Bon, on a une autre main levée, je vois le temps qui avance. Je Oui. pourrais juste dire une chose. Oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, je pense qu'il y a un côté de peur et de peur surtout de perdre le contrôle, entre guillemets, de notre classe. Et je pense que c'est surtout pas ça qu'il faut imaginer. En fait, il faut toujours penser que c'est pas là que ça se passe. La perte de la main qu'on a sur la classe, elle n'est pas là-dedans. Hein. Ouais, C'est bien. toujours Pardon. garder en tête que c'est un outil. Hein,
Bon, c'est ça, il me reste, on n'a plus de temps vraiment. Là, je ne sais pas, Madame Burton, Monsieur Moon, est-ce qu'on est bon pour prendre, il nous reste une question? Moi, je suis On correct. y On va? peut prendre une dernière OK. question, oui. Super. Ben, allons-y dans ce cas-là. Parfait, merci beaucoup. Merci pour ce brillant exposé. Je me pose des questions. On voit ici l'avantage de d'utiliser les appareils pour l'avancement des études et le partage, tout ce qui a été dit, je ne vais pas me répéter. Mais quelque part, je me pose la question, pourquoi il y a certains enseignants qui s'opposent à l'usage des téléphones, par exemple? Et quand bien même que cela, nous avons vu ici, peut être un atout pour améliorer l'apprentissage et la compréhension. Qu'en pensez-vous? Je peux peut-être commencer, Kim. Oui. Là, on peut faire tout un atelier juste sur cette question-là. C'est énorme, la question. Il y a toutes sortes de réticences. Il y a des postures historiques de la sage en avant. Vous allez recevoir ce que j'ai à vous dire. C'est une posture qui existe encore. Il y a aussi la technophobie qui pourrait exister. Il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui disent, écoute, ils ont trop de technologies, je vais leur donner un break. On va utiliser d'autres choses que la technologie dans notre classe parce qu'ils sont hyper connectés puis ils ont besoin de comprendre comment travailler sans ces choses-là. Il y a toutes sortes de possibilités. Il peut y avoir des postures de département. On peut avoir la législation, des lois qui bannissent. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient exister. Et nous, dans une posture de conseiller pédagogique, il faut qu'on soit à l'écoute de nos enseignants. Et s'il y a un niveau de confort pour y aller, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de confort, on peut toujours dialoguer, puis voir c'est quoi la réticence, puis si on peut faire quelque chose pour comment est-ce que je peux dire, mettre la personne à l'aise, peut-être de faire des essais, mais on ne veut pas non plus pousser la technologie pour pousser la technologie. Il faut que ce soit utile. Mais je laisse Kim compléter ma réponse. Ben, en fait, c'est ça, il y a une panoplie de réponses possibles, mais effectivement, tu sais, il faut se ramener aussi aux besoins pédagogiques, là, tu sais, du départ. Je veux dire, un enseignant qui a un besoin pédagogique précis, ben, si. Je vais peut-être vous interrompre, s'il vous plaît, Kim. Oui. Oui, vous parlez, c'est vrai, il y a un aspect positif sur le plan pédagogique. Et j'ai peut-être omis d'ajouter cela. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des conséquences aussi sur le plan sanitaire par rapport aux étudiants, notamment l'abus de l'usage de la technologie pour leur vision, pour le mental et les perspectives? Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on répondait aussi tantôt à l'autre question. Je veux dire, de l'abus de tout, ça existe. L'idée, c'est toujours d'arriver dans un équilibre avec toutes les technologies qui nous entourent. Puis tu sais, ce que je mentionnais, c'est que ça se pourrait aussi que pour répondre aux besoins pédagogiques de base, ce soit le crayon et la craie, l'outil qui réponde le mieux, comme ça se pourrait que ce soit le cellulaire, comme ça, tu sais. Moi, j'ai aucun problème à dire. Si un enseignant dit, ben moi, je veux utiliser le cellulaire dans ma classe, parfait. Dans quel objectif d'apprentissage tu veux l'utiliser? Peut-être qu'au bout de la ligne, après nos échanges, on va se rendre compte que c'est pas, ça répond pas aux besoins de base. Pour ce qui est au niveau de la santé mentale, ben, c'est ça, c'est un débat de société aussi, là, je veux dire. C'est nous-mêmes à s'auto-régulariser quand on est dans une salle d'attente, de dire, hey, peut-être le lâcher un peu 5 minutes mon cellulaire puis juste profiter du moment. Mais il faut éduquer les gens en ce sens-là. C'est ça. L'équilibre, je dirais, l'équilibre. Et Donc. ça rend plus agréable nos lignes d'attente à la banque, là, de faire ça au lieu de rester dans une ligne inutilement pendant 30 minutes, là. C'est plaisant. Absolument. Merci. Merci à tous pour vos échanges. Merci pour la présentation, Madame Burton, Monsieur Moon. C'était très enrichissant, vraiment intéressant. On a même dépassé notre temps, donc je pense qu'il y avait un grand intérêt. Je vous retiendrai pas, ben, même plus longtemps. Simplement vous mentionner qu'on a notre prochain atelier
qui est mercredi la semaine prochaine, le 27 mars. Donc, ça va être créer une atmosphère de collaboration à distance. Donc, on vous invite à nous suivre sur refad.ca pour avoir tous les détails, pour vous inscrire. Nos médias sociaux aussi, vous allez avoir la publication là, qui va annoncer cet événement-là. Donc, sur ce, ben, je vous remercie. N'oubliez pas de répondre au petit sondage là, que j'avais mis dans le clavardage. Tiens, je le remets. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Je vous souhaite une belle journée de la francophonie, journée internationale de la francophonie. Puis on se revoit une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Merci. Mathieu, Merci Katharina, beaucoup. puis Elodie Oui, aussi. Katharina aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonne journée tout le monde, merci.